ولا شك أن محمدا شمس الهدى إليه رغبنا مؤمنين فنشكره. Chers téléspectateurs du monde francophone, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Vous nous retrouvez pour votre rendez-vous hebdomadaire qui s'appelle Horizon d'Islam et je vous rappelle que vous pouvez nous poser l'ensemble de vos questions à l'adresse mail horizon avec un s @mta.tv. Lors de nos précédentes émissions, on s'était un peu attardé sur le concept du Messie et on avait dit qu'on reviendrait sur ce concept dans les émissions qui viennent. Et quand on avait abordé le concept du Messie promis, on avait vu que toutes les différentes religions envisagent ce concept de Messie, qu'elle soit une religion, la religion hindoue, que ce soit le judaïsme, le christianisme ou encore l'islam. Et en parlant de l'islam, on s'était attardé sur la revendication de Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, qui, au XIXe siècle, a revendiqué être le Messie promis. Dans le cadre de cette émission, qui va nous occuper, en tout cas le thème qui va nous occuper tout le long de cette émission, va être de savoir qui était-il dans un premier temps. Finalement, on va essayer de retracer peut-être ses ascendants et essayer de voir d'où il vient pour essayer de situer cette personne. Pour le faire, j'ai avec moi deux invités, tous les deux du bureau francophone. J'ai Ataoul Kayoum Joumoun Saab, assalamu alaykoum. Et j'ai Abdul Ghani Jahangir Saab, assalamu alaykoum. Wa alaykoum assalam. Je vais rester sur vous, Jahangir Saab, et puis reprendre ma question de départ, qui était finalement, est-ce que vous pourriez nous situer la personne de Hazrat Mirza Ghulam Ahmad dans un contexte historique? Oui, donc je crois qu'il faudra d'abord qu'on se tourne vers ses origines. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, en fait, avait des origines un mélange, donc persane et aussi mongol. Sa famille, en fait, venait d'une région qui aujourd'hui se situe à l'intérieur des frontières de l'Ouzbékistan. Mais à l'époque, bien sûr, l'Ouzbékistan n'existait pas. Maintenant, c'est le nom moderne, si vous voulez, de ce pays. Mais c'était une famille qui parlait le persan. Donc le persan, c'était leur langue principale. Et il était lié à la famille de Tamerlan, donc ce fameux roi de l'époque, qui s'appelait Timurlang, donc ça c'était son nom. C'était son oncle Hadji Barlas qui en fait avait décidé des descendants de Hadji Barlas qui avait décidé de se rendre en Inde et de donc s'y installer finalement. Ils se sont installés au Punjab, dans une région qui se situe plus ou moins vers le nord de l'Inde. D'accord. Et c'est là, en fait, qu'ils ont fondé finalement un village qui a eu plusieurs noms successifs au fil de l'histoire, mais qui finalement, aujourd'hui, s'appelle Qadian. Il y est né, donc, dans une famille de cette origine-là. Et donc, le point central de tout cela, c'est qu'en fait, il a une origine persane. Et nous allons peut-être revenir à cela plus tard, car cela revêt une importance fondamentale. Oui. Parce qu'effectivement, et on avait commencé déjà à l'aborder lors de nos précédentes émissions, c'est le fait que le saint prophète avait, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il avait envisagé la venue du Messie, il avait posé sa main sur Salman de Perse. Oui. Et du coup, effectivement, si on fait le lien, il y a une importance fondamentale entre ce que l'on peut appeler le monde perse et cette prophétie. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait, quand il a mis sa main sur Salman le Perse ou le Persan, il avait dit que ça serait quelqu'un de parmi ces gens-là qui atteindrait la foi lorsque la foi aurait disparu de la terre et serait remontée, pour ainsi dire, comme l'a dit le prophète, jusqu'aux Pléiades. Et donc il fallait s'attendre à voir quelqu'un ramener, maintenant c'est pas une petite tâche, de ramener la foi pour les musulmans, alors qu'ils ont le Coran, ils ont l'islam en tant que tel, mais ils ont perdu la foi. Donc il est en train de parler de ce phénomène de la perte de foi, qui est quand même un phénomène de taille, car on ne suit pas l'islam, on ne prie pas Allah, et on ne fait pas le ramadan, etc., et le hajj, le pèlerinage à la Mecque,
tout en perdant sa foi. Donc, qu'a-t-il voulu dire par cela? Eh bien, nous allons peut-être explorer cela aujourd'hui. Alors, Inch'Allah. Inch'Allah. Justement, pour continuer peut-être sur cette lignée, on voit, vous nous avez rappelé un petit peu, on a fait ce comparatif avec Salman le Perse, mais quelles ont été les déclarations de Hazrat Mirza Ghulam Ahmad quand il, une fois qu'il est arrivé, bon, il est né dans un village que vous avez cité, qui s'appelle Qadian. Avant, il a eu beaucoup, plusieurs noms et qui a eu une évolution progressive de ce nom. Mais pourquoi il revêt une importance? Pourquoi le 19e siècle est marqué justement par le fait que Hazrat Mirza Ghulam Ahmad devait venir? Pour venir sur la personne de Hadrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadian, c'est que dès son jeune âge, il était toujours très intéressé par la religion. Tout jeune, il a été intéressé par la religion, surtout à l'époque du 19e siècle. L'Inde était colonisée par l'Empire britannique, et avec l'Empire britannique, dans les navires de l'Empire britannique, étaient venus des missionnaires chrétiens de l'Europe tout entière, de la Grande-Bretagne, mais de l'Europe tout entière. Et ils avaient choisi l'Inde comme le terrain pour prêcher le christianisme. Cela avait débuté très longtemps. Donc, face à cette situation, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad al-Salam a eu l'occasion donc de réfléchir sur la religion, de faire des études comparatives. Et très tôt, il a été intéressé par la situation des musulmans. Et il a vu les attaques qui étaient lancées contre le saint prophète Mohammed, contre le Coran, contre l'islam. Tous ces assauts qu'on lançait contre l'islam, et il a commencé à défendre le Saint-Coran, défendre l'islam. Il l'a fait tout d'abord en publiant des articles. Petit à petit, il n'était pas vraiment intéressé par ce bon monde. Ses parents, ses ancêtres étaient des gens de ce monde, mais lui, il n'était pas intéressé. Il s'est coupé de ce monde pour se consacrer entièrement à la religion. À tel point que quand un jour son père a dit à quelqu'un qui est passé que j'ai un autre fils qui s'appelle Mirza Ghulam Ahmad, l'autre lui a dit, mais c'est qui? On ne l'a jamais vu. On lui a dit, allez-y, regardez dans la mosquée, vous l'allez voir là-bas. Donc tout jeune, il était intéressé. Et peu à peu, Mirza Ghulam Ahmad al-Islam, en 1882, il s'est dit Mujaddid. Il se disait auparavant qu'il était récipiendaire de révélations de la part de Dieu. Mais ce fut en 1882 qu'il s'est proclamé être le réformateur de l'époque. Alors, le terme Mujaddid renvoie bien à réformateur. Réformateur. D'accord. Donc il s'est dit être réformateur en 1882. Ensuite, plus tard, en 1891, c'est là qu'il s'est dit être le Messie et le Mahdi. Et on va revenir là-dessus. Il y a plusieurs étapes par lesquelles il est passé. Il a fondé aussi sa communauté. Il a accepté les allégeances de ses suivants en 1889. Et puis, ce fut plus tard, en 1900, qu'il a donné le nom Ahmadiyya à cette communauté. Alors, quand vous dites il a pris l'allégeance, ce serment d'allégeance correspond à la date de fondation de la communauté Ahmadiyya, du coup? Oui, donc en acceptant ses membres, il a dit que je suis là pour fonder cette communauté. Il a donné 10 conditions pour lesquelles qu'on doit respecter pour que l'on puisse entrer dans cette communauté. Et il a dit qu'il ne désire pas que tout un chacun entre dans cette communauté. Il a mis des règles très strictes. Il désirait fonder une communauté de vrais musulmans, des personnes qui seront à l'exemple des enseignements de l'islam, qui seront des gens qui vont suivre les pas du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qui vont par leur exemple, par leur pratique, démontrer l'islam. D'accord. Juste sur cette question de, justement, ils fondent cette communauté en 1889 qui s'appelle la communauté musulmane Ahmadiyya. Alors la question logique, c'est est-ce que, et qui est assez souvent posée finalement, c'est est-ce que Ahmadiyya renvoie à Hazrat Mirza Ghulam Ahmad et il a collé IA pour marquer l'appartenance à son propre nom, ou est-ce qu'il y a une autre signification? D'où vient ce nom de cette communauté? En fait, il faut comprendre que cet aspect-là intéressera seulement les musulmans. Car c'est un homme qui s'est adressé à toutes les religions. Il ne s'est pas adressé seulement à l'islam. Mais tout bon musulman saura que le prophète de l'islam, le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, s'appelait en fait Mohammed Ahmad. Il avait deux noms. Donc, le premier nom a une connotation de gloire et de force. Oui. Et le nom d'Ahmad, en fait, a une connotation de beauté et de, comment dire, de souplesse et de douceur. Et
En fait, il y a une prophétie donc, dans le Saint-Coran qu'il y aurait deux groupes de croyants, donc parmi les musulmans, qui seraient vraiment de marque dans l'histoire de l'islam. Et le Coran les appelle les awalin ou les awalun. Bon, ça c'est la grammaire arabe, hein. C'est le même mot en fait. Donc ceux du début, les premiers, et al-akhirun ou al-akhirin. Donc ce sont ceux de la fin, les derniers. Donc il y a ces deux-là, les deux groupes. Et le Coran en parle à plusieurs reprises en fait. Donc on voit que au début, on a vu l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a lancé le message de l'islam. Ce message a commencé à se propager tout d'abord en Arabie, mais ensuite a dépassé les frontières et a commencé à poursuivre son chemin. Oui, sur une région très large dans le monde, mais qui n'a pas quand même atteint tous les continents. Oui. Oui. Et donc, dans ce premier volet, si on veut, de la propagation du message de l'islam, on a vu un genre de grandeur et de frayeur même. Les peuples avaient peur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a inspiré la crainte. Et ça, il l'a dit lui-même. Il a dit que l'une des facettes de sa personne était qu'il a inspiré la crainte aux autres, au peuple autre que le sien. Et donc, quand il voyait cette avancée fulgurante de l'islam, et ce n'est pas une avancée militaire, au contraire, oui. C'est une avancée une avancée civilisante, en fait. Oui. Donc, on a vu que les civilisations de son époque étaient vraiment en train de s'écrouler, qui avaient perdu leur valeur d'antan, qui avaient perdu leur nature organisée, si vous voulez. L'organisation était en perte. Face à cette poussée d'une nouvelle civilisation très organisée, très unie, très unifiée, elles ont eu peur. Et elles ont capitulé très facilement devant l'avancée de l'islam, qui était une avancée de la pensée, une avancée de la civilisation, une avancée de l'unité et de l'organisation. Et c'est ainsi que le message était au début. Mais il y avait cette prophétie qui venait vers la fin. On a déjà parlé des prophéties faites par le messager d'Allah, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, où il a dit que lorsque le Messie viendrait, il mettrait fin à la guerre. On a déjà vu ça. Il allait abolir la jizya, donc la taxe qu'on prend des peuples soumis au gouvernement islamique qui s'avance vers eux et qui s'installe chez eux, etc. Donc il mettrait fin à tout cela. Donc on peut déjà percevoir un nouveau départ pour l'islam, mais cette fois-ci, c'est le départ qui a trait au nom, non pas à Muhammad, qui était celui de la gloire et de la cette poussée fulgurante. Grandeur, en fait. Oui. Oui. Là, c'est le côté logique, le côté beauté, le côté douceur. Ça serait une nouvelle poussée de l'islam, mais ça serait basé sur ces valeurs-là. Et là, ça aurait trait au nom d'Ahmad. Et donc, en arabe, ce qui a trait à Ahmad, c'est Ahmadi, au masculin, Ahmadiyya, au féminin. Et c'est de là que vient le nom Ahmadiyya. Ça ne vient pas du tout du nom Ghulam Ahmad, qui signifie le serviteur d'Ahmad, donc qui veut dire le serviteur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui s'appelait aussi Ahmad. Et donc ça a trait à cela. Mais je crois que la question qu'il nous faut aussi explorer, c'est pourquoi il est apparu en Inde, en fait. Peut-être qu'on pourra revenir à cela. Alors, justement, avant de revenir à l'Inde, pour y aller en douceur, si vous voulez. Est-ce que l'époque même de son arrivée était déjà propice à son événement ? C'est ça, parce qu'en fait, une fois qu'il est venu en Inde, on pourra peut-être exposer ce qu'il a fait, etc. Mais est-ce que, pour poser en fait les bases du débat, est-ce que son arrivée... À son époque, on avait besoin. Comme vous dites, par exemple, quand on a parlé de l'époque du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu un besoin parce que les civilisations étaient en déperdition, il y avait une structure sociale qui s'était complètement dégradée et le saint prophète a ramené cette structure, il a ramené cette unité qui faisait craindre. Et d'ailleurs, ce mot craindre, il ne faut pas le prendre au sens barbare, etc. Voilà, c'est une crainte très relative, on va dire. Oui. Mais justement, est-ce que quand Hazrat Mezarullah Mehmed est arrivé, il y avait un besoin de Hazrat Mezarullah Mehmed ?
En fait, on va revenir un peu sur, dans les précédentes émissions, je crois qu'on avait évoqué la décadence des musulmans. Le saint prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il avait parlé de 300 ans de gloire après son avènement, qui seront suivis de 1000 ans de ténèbres, 1000 ans de déclin. Et ça correspond environ 1400 ans, et ça correspond à presque à l'époque de l'avènement de Hadrat Misaqullah Mohammed alayhi salam de Qadiane. Et pour revenir à ce qu'avait dit Djangesab sur ces deux phases, Mohammadiyya et Ahmadiyya, si on regarde à l'époque du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on va voir qu'on s'est attaqué à l'islam par les armes physiques. Oui. Et c'est pour cette raison qu'il devait y avoir cette... que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam devait inspirer la crainte par les armes. Parce que c'était par les armes qu'on voulait exterminer l'islam. C'était pas le saint prophète qu'on voulait tuer tout simplement. C'était pas les musulmans qu'on voulait tuer tout simplement. Les guerres, on en a eu parmi les Arabes, il y en a eu. C'était l'islam qu'on voulait exterminer. Et à l'époque de Hadrat Mizarullah Mahmad alayhi salam, c'est pas par l'entremise des hommes qu'on voulait mettre fin à l'islam. C'est par les arguments, par la plume. Et c'est là qu'on voit cette deuxième phase, la phase Ahmadiyya. La phase Ahmadiyya où il prend l'arme qui est requise, on s'attaque à l'islam par l'entremise de la plume, par les publications. Et c'est ainsi qu'il va répondre, il va prendre les... ces mêmes armes pour défendre l'islam. Alors, je trouve que cette dichotomie, on pourrait l'appeler comme ça, Mohammadiyya et Ahmadiyya, qui finalement se rejoint, parce que c'est la même chose. Ce n'est pas une dichotomie. C'est une fausse dichotomie. Ce sont deux facettes de la même pièce. De la même pièce, voilà. Hein? D'accord. Comme ça vient de le dire, lorsque l'attaque se fait d'une certaine façon, l'islam montre son visage qui a trait à cette façon-là. Et lorsque l'attaque se fait d'une façon différente, l'islam montre son autre visage. Et ça montre sa dynamique universelle aussi. Oui, absolument. Oui, mais il faut aussi comprendre que, en fait, lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam prenait les armes, c'était surtout pour faire régner la paix. Parce que tout prophète vient pour faire régner la paix. L'une des façons de faire régner la paix, c'est de montrer que, écoutez, nous n'allons pas capituler facilement. Donc, si vous voulez vous battre contre nous, nous sommes tout à fait prêts à répondre à vos attaques. Et nous allons nous venger aussi. Donc, rien que la pensée de ces représailles possibles empêchait beaucoup de batailles. Et donc, cela gardait la paix, ce qui était le but. Encore une fois, lorsqu'on arrive maintenant, on en arrive aux attaques plus récentes, donc à l'époque du début de l'Ahmadiyya, et cela n'était pas seulement en Inde, c'était un petit peu partout dans le monde musulman. On voit que les attaques, c'était contre les belles valeurs de l'islam. Alors, on voit les attaques en train de faire les musulmans quitter leurs bonnes valeurs qui les permettaient de vivre en paix. Alors, évidemment, s'ils allaient capituler à ces attaques-là, ils allaient encore une fois se retrouver dans une situation où la paix est bafouée, où le chaos va régner et la souffrance aussi va commencer. Et donc, Allah, il envoie quelqu'un pour répondre à ces attaques, pour répondre à ce besoin de l'heure. Mais cette fois-ci, comme ça vient par la plume, donc il envoie quelqu'un pour répondre par la plume. Donc, c'est tout à fait... parce qu'Allah, il est justice personnifiée. C'est vrai. Donc, il répond au besoin de l'heure selon donc la nature de ce besoin. Et du coup, on a vu, vous nous avez très bien expliqué la nécessité de l'arrivée justement de ce réformateur, de ce Mahdi, de ce Messie. Maintenant, on va en venir à votre question, Jahangir Saheb. C'est celle de, et d'ailleurs qui a été évoquée par Qayyum Saheb, donc on voit quand même une certaine évolution, évolution partagée, c'est celle de l'Inde. Quelle était la situation de l'Inde justement au moment où Hazrat Mizarullah Mahmad est arrivé? Et justement, est-ce que encore une fois, ces attaques qui étaient faites par la plume et par les arguments, sous quelle nature, comment elles prenaient forme? Pourriez-vous peut-être éclairer nos téléspectateurs sur cette question-là? Eh bien, comme Qayyum Saheb l'a déjà dit, à son époque, il y avait une forte poussée de l'Église chrétienne. Donc, y compris, c'était surtout ceux du Church of England, donc c'était l'église anglicane, comme c'était l'église véhiculée par l'Empire britannique, donc évidemment, ils étaient bien placés pour lancer leurs attaques. Mais il y avait aussi d'autres églises de nature évangéliste, oui, donc, qui
qui essayait d'évangéliser donc le monde entier. Non, parce que j'allais vous poser la question, est-ce que l'église anglicane était la même chose que l'église évangélique? C'est très bien, vous, c'est, coup, c'est un peu liées. Différent. Elles sont liées. Ces églises sont liées, elles appartiennent toutes au protestantisme. D'accord. Mais il ne faut pas oublier la poussée du catholicisme aussi. Car là où sont partis les Espagnols, les Portugais, les Français, ils ont véhiculé, eux, l'Église catholique. D'accord. Et donc, l'Église catholique a aussi une grosse part de l'évangélisation de l'Amérique du Sud, de l'Amérique centrale, de l'Afrique, y compris l'île Maurice. Donc, tous ces pays ont été évangélisés, en fait, par les catholiques. D'accord. Mais en gros, les pays musulmans étaient dans une situation vraiment de grande faiblesse, y compris au niveau de leur civilisation, de leur science, de leur système éducationnel. Enfin, dans tous les domaines, ils étaient en train de perdre la face devant la poussée de l'Occident. Et ça, c'était pas seulement chez les musulmans. C'était un phénomène pas du tout localisé, c'était un phénomène global. Donc, face à la poussée de l'Occident, que ce soit protestant ou l'Occident catholique. Et donc, c'est dans ce milieu-là qu'est arrivé maintenant Mezarullah Mahmad. Et il a vu que l'Église était en train de profiter de cette faiblesse des musulmans. Et comme l'Inde était un pays qui avait connu des souverains musulmans pendant plus de cinq siècles. Donc c'était un pays, on peut dire, un peu musulman, si vous voulez. Ils en ont profité pour lancer des attaques, non seulement du côté, je parle d'abord de l'évangélisation positive, c'est-à-dire de faire du marketing en faveur de l'Église, mais il y avait aussi les attaques, les villes, les plus villes, hein, sur le caractère du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur ses épouses, sur ses compagnons, et sur le message de l'islam, le Coran, enfin tout y passait. Et personne n'osait y répondre, car quiconque se dressait contre l'Église pensait peut-être s'attirer les ires des Britanniques aussi, comme les deux allaient de pair. Et donc, les gens hésitaient. On n'allait pas contredire l'Église, parce que contredire l'Église, ça équivaudrait un petit peu à contredire les pouvoirs en place. Oui, c'était une grande puissance, en fait, oui. En quelque sorte. Oui. Voilà. Et donc, personne n'osait le faire. Mmh. Mais il y avait un homme donc, qui s'est levé et qui a commencé justement à le faire. C'était Mezarullah Ahmad de Qadian. Mais pourquoi est-il venu en Inde? Il aurait pu venir ailleurs. Il aurait pu venir ailleurs. D'ailleurs, on nous pose souvent la question, Vrai, ce sont les arabophones. Les arabophones, surtout. Et ils disent souvent pourquoi il n'est pas venu à la Mecque ou pourquoi il n'a pas été suscité voilà. En Arabie Saoudite. Il faut qu'il soit absolument en arabe. Et c'est un peu comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on nous a déjà fait ce coup-là, n'est-ce pas? On a déjà vu comment les juifs, ils ont dit, écoutez, nous aussi on s'attendait à un prophète, mais il est arabe, pourquoi est-ce qu'il n'est pas juif? Il fallait qu'il soit juif. Ouais, donc en fait, on veut toujours que la personne apparaisse chez soi. Ou bien, si c'est au niveau d'un seul peuple, que ce soit dans une clique quelconque et pas dans une autre. Oui. Il faut que ce soit dans ces familles-ci et pas dans ces familles-là. En fait, l'homme ne sait pas ce dont il a besoin. Dieu sait mieux. Oui. Mais comme le prophète l'avait déjà dit, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il fallait regarder chez les Persans. Il a déjà montré du doigt les Persans, mettant la main sur Salman, le Persan. Donc, il a bien délimité déjà. Hein. Donc, il ne faut pas chercher chez les Arabes. Donc, quiconque va aller chercher chez les arabophones, déjà, est en train de se mettre donc en travers de ce qu'avait dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais maintenant, l'Inde britannique, c'était la place rêvée pour l'arrivée de cette personne qui allait lancer la deuxième phase de la poussée de l'islam. Maintenant, il s'agissait de propager le message de l'islam vraiment dans le monde entier, dans le reste du monde, qui n'avait pas été touché jadis par le message islamique du tout. Et là, je parle de l'Amérique, d'une bonne partie de l'Afrique, des îles, de l'Australie. C'était une large région du monde, hein, et l'Europe même. Il faut pas oublier l'Europe. Mais on voit que toutes les conditions rêvées étaient réunies vraiment pour faciliter la tâche à l'imam Mahdi. Parce que, comme je l'avais dit tout à l'heure, il ne s'est pas adressé tout simplement aux musulmans. Il est venu pour s'adresser aussi aux hindous, aux chrétiens, aux juifs, aux sikhs, aux bouddhistes, aux zoroastriens, toutes les grandes religions en place. Eh bien, la seule partie du monde, le seul pays où tout ce beau monde se retrouvait réuni, c'était l'Inde. S'il était venu dans n'importe quel pays arabophone,
il n'aurait pas eu non seulement accès aux hindous, aux bouddhistes, etc., donc les religions orientales, il n'aurait même pas eu accès à bon nombre de sectes au niveau de l'islam même, les groupes au niveau de l'islam. Oui, qui sont L'Inde a cette peu... particularité, et même aujourd'hui, ça continue aujourd'hui, d'avoir un bel échantillon d'un peu tous les peuples, toutes les religions, quoi. Oui, non, je parle de l'islam même. Okay. L'Inde, donc, a cette chance, on peut dire, d'avoir une représentation de tous les différents groupes de l'islam. On y voit représenter pratiquement tous les courants soufis. On y voit représenter les plus grands groupes et les mazahib, donc les écoles de pensée, sunnites. On y retrouve aussi différents types de chiites. Donc, ils s'y retrouvent tous. Donc, étant en Inde, l'imam Mahdi, le Messie, pouvait s'adresser à toute la panoplie de musulmans qui existaient. Et puis à tout le panel religieux. Et il était en contact avec pratiquement tout le peuple sikh, étant au Punjab. Ouais. Il pouvait s'adresser à toutes les sectes de l'hindouisme. Il pouvait s'adresser aux sectes majeures, donc au niveau du bouddhisme. Et il pouvait s'adresser à l'église la plus forte et la plus puissante de l'époque, qui était l'église anglicane. Et aussi avoir accès aux catholiques, qui s'y retrouvaient aussi donc en Inde. Et aussi aux juifs, parce qu'ils s'y retrouvaient aussi. Et à partir de l'Inde britannique, il pouvait aussi s'adresser grâce à la poste qui était dès lors assez développée. Et puisqu'il y avait un système ferroviaire très poussé en Inde, même à l'époque, donc son message pouvait arriver vraiment au monde entier. Oui. Il pouvait s'adresser aux autres peuples à l'extérieur de l'Inde. Donc vraiment, l'Inde de l'époque britannique, le Raj britannique, c'était la place rêvée pour l'arrivée d'un réformateur universel. Très bien. Et en plus, excusez-moi, c'est pour revenir à la prophétie, les prophéties faites par le saint prophète Mohammed, il est dit que le Messie viendra tout près d'un minaret à l'est de Damas. Ah oui, ça c'est un sujet. Oui. Et nous voyons que si nous regardons sur la carte, la ville de Kadian se trouve exactement à l'est, presque parallèle. Exactement la même position. Et on ne choisit pas son lieu de naissance. Voilà, on ne choisit pas. Oui. Et on peut demander, donc, comme vous avez dit, pourquoi, les gens pourront demander, mais pourquoi en Inde? Mais Allah, il a déjà répondu. Allah déclare dans le Saint-Coran, Auzubillahi minash-shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, Allahu a'lamu haitha yaj'alu risalatahu. Allah sait le mieux où est-ce qu'il va envoyer son message. C'est lui le maître. S'il a décidé de choisir un Indien, il va le choisir. Et comme il avait dit, ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِهِ مَنْ يَشَاءُ. C'est une faveur de Dieu, il accorde à qui il veut. C'est lui le maître. On aurait pu par la suite demander, mais pourquoi un arabe, pourquoi un indien, pourquoi un chinois? Mais c'est Dieu qui choisit la personne. Et comme l'avait bien dit Djangir Sahib, c'était toutes les conditions étaient réunies en Inde pour qu'il y ait, d'une part, cette confrontation, la technologie était là aussi. Toutes les technologies commençaient à se développer. On était dans la phase où l'Angleterre, le Royaume-Uni, avait lancé la révolution industrielle. C'est grâce à l'Angleterre qu'il y a eu toutes ces grandes inventions, le chemin de fer, le télégraphe, les moyens de communication, l'imprimerie. Toutes les conditions étaient réunies. Ça commençait à se réunir donc, pour que l'on commence à transmettre ce message de l'islam. Pour qu'il y ait justement cette deuxième avènement de l'islam qui arrive. Alors, par rapport aux signes prophétisés, est-ce qu'on a fait le tour ou est-ce qu'il y a éventuellement d'autres choses à ajouter sur ces signes qui devaient se réaliser au moment où Ahmed de Kadian, que considère comme Imam Mahdi et Messie Il y a un gros signe, énorme, c'est l'arrivée de l'Antéchrist. Oui. C'est le fameux Dajjal, on en a déjà parlé, l'archi-trompeur, Donc on voit que là, on voit les conditions réunies. Bon, on a parlé de tout ça. Il a tout donc devant lui, à sa disposition pour répondre aux attaques faites contre l'islam, mais aussi pour propager le message de l'islam dans le reste du monde. Donc tout y est. Il peut aussi faire ses confrontations avec toutes les religions. Bon, des confrontations paisibles, il faut le souligner. Mais il y a aussi l'époque. Donc est-ce que l'époque correspond? Parce que ça ne suffit pas qu'une personne arrive et qu'elle commence à se revendiquer être ceci ou cela, et qu'elle ait tous les moyens de bord à sa disposition, mais que l'époque soit la mauvaise époque. Donc, on a déjà réuni le fait qu'il soit de descendance persane, ça on l'a vu,
On a vu qu'il allait venir dans une place où il y aurait un minaret blanc à l'est de Damas. Ça aussi, ça a été accompli. On voit qu'il est arrivé en Inde. Et d'ailleurs, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait aussi dit que que l'imam Mahdi, en parlant de l'imam Mahdi, il a dit qu'il va utiliser son ijtihad en Inde. Il a même utilisé le mot Inde. Donc le nom même du pays a été utilisé. Il va donc délibérer sur différents aspects de l'islam, de jurisprudence islamique, en Inde. Donc ça aussi, il l'a dit. Mais on voit qu'il a aussi parlé de l'époque. Et l'époque, c'est lorsqu'il y aurait une puissance globale qui allait faire le désordre dans le monde entier. Comme il l'a dit, qui serait d'une part qui posséderait une vision très perspicace quand il s'agira des choses mondaines et qui donc pourrait voir des trésors cachés dans la terre, mais qui par contre serait aveugle du côté droit, donc c'est-à-dire sur le plan spirituel, il serait complètement aveugle. Ça serait donc, et d'ailleurs, il y a tellement de hadiths qui parlent de ce thème. Oui. Dans un hadith, il avait parlé des différents peuples qui allaient capituler face à l'islam. Il a parlé de Rome, c'est-à-dire c'est l'Empire romain, les Byzantins. Mm-hmm. Il a parlé des Syriens, il a parlé de différents peuples. Après, il a dit, et ensuite, ça serait le Dajjal. Donc, cela signifie que dans la même suite d'idées, le Dajjal serait donc un peuple. Il s'agirait de peuples et non pas d'un seul homme. Vous voyez, aujourd'hui, on a déjà parlé des mauvaises interprétations des signes. Oui. Aujourd'hui encore, il y a de ces ulamas, malheureusement, qui vont vous dire que non, écoutez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé d'un homme géant, gigantesque, il aurait un œil, il serait borné de l'œil droit, et puis il aurait l'œil gauche perçant, il va s'asseoir sur un âne. Eh bien, on a vu l'âne, tous les signes qu'il a déjà donnés pour dire quel serait le mode de transport ou les modes de transport utilisés par ce Dajjal, par ce peuple architrompeur. Ce seraient les modes de transport modernes. On a déjà vu que tous les signes qu'il a, toutes les descriptions de l'âne correspondent à cela. On sait que, par exemple, l'avion a commencé à être inventé. En fait, l'invention de l'avion, ça date de l'époque du Messie promis, encore une fois, le fondateur de la Jamaat Islamique Ahmadiyya. Donc, tout était en train de venir ensemble. Donc, on a vu l'époque, on a vu l'arrivée de cette puissance qui irait partout dans le monde, et qui serait trompeuse, car elle dirait aux gens, écoutez, vous devez me servir, moi. C'est moi qui suis votre Dieu, vous devez faire tout ce que je vous dis. Et si vous le dites, eh bien, je vais faire la pluie tomber pour vous, vos vaches sortiront le matin maigres et rentreront grasses dans la soirée, etc. Et donc, mais les peuples qui allaient s'opposer à ces peuples-là connaîtraient la guerre, la souffrance, la famine, enfin un état pitoyable. Et donc on a vu qu'en fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de parler de la poussée de l'Occident dans le reste du monde. C'est le seul peuple qui est vraiment été partout ailleurs et qui a réussi à dominer le monde entier et qui a réussi à dominer le monde de par sa politique et son économie, d'une part, et aussi de par sa religion fausse, de l'autre. Et la religion fausse, c'est quoi? C'est dire aux gens qu'écoutez, lorsque Dieu a voulu descendre sur terre et prendre forme humaine, eh bien, il a voulu prendre la forme d'un homme blanc. Et on en a déjà parlé. Mais c'est cela, la grande tromperie. Donc, c'est dire à tous les autres peuples de couleur, pour ainsi dire, qu'en fait, vous êtes un peu, des sous-hommes, quoi. Vous n'êtes pas comme nous, parce que nous, on est comme Dieu. Quand Dieu a voulu descendre sur terre, eh bien, il est descendu en tant qu'homme blanc, avec des cheveux plus ou moins blonds, avec des yeux bleus, donc il est comme nous. Nous, on est comme Dieu, mais pas vous. Et donc, vous devez rester soumis. Donc, le message sous-jacent, c'était vous devez rester soumis à jamais à nos idées, à notre économie, à notre politique et à notre religion. Donc, ils vont utiliser ces choses pour contrôler le monde. D'accord. Mais le Messie doit venir pour défaire tout ça. Il doit venir pour détruire tout cela. Et en finir une fois pour toutes avec cette enchanterie, avec ce sortilège qui a été jeté sur le monde entier. Vous voyez ? Pour revenir à la situation de l'Inde où est apparu Hadrat Mizarullah Mahmoud alayhi salam, la situation des musulmans, comme il avait dit, les musulmans avaient régné pendant 5 siècles en Inde. Jusqu'en 1857, où il y a eu une grande révolte des Sipayes, où ils ont tout perdu. Les Britanniques, petit à petit, ils ont rongé du terrain pour monter jusqu'en Inde et ils ont conquis l'Inde tout entier.
Et les chrétiens, les prêtres chrétiens qui sont venus voir les musulmans, ils leur ont dit, vous étiez là, musulmans, vous avez régné en Inde, mais regardez maintenant qui sont les maîtres, qui sont les maîtres du monde. Ce sont les Anglais qui sont chrétiens. Vous allez voir en Russie, c'est le tsar de Russie qui est chrétien. Vous allez voir les Allemands qui sont chrétiens. Donc, c'est le problème, c'est avec votre religion. C'est en raison de les faiblesses de votre religion que vous avez tout perdu. Donc, d'une part, les musulmans, ils ont été frappés donc, de ce complexe d'infériorité. Ils ne savaient plus vers qui se tourner. D'une part, ils avaient perdu leur pouvoir politique. D'autre part, leur système d'éducation n'était plus à la hauteur. Parce que quand les Britanniques sont venus, les colonisateurs sont venus, ils ont apporté avec eux tout leur système d'éducation et tout. Et les musulmans n'avaient plus de réponse face à tout cela, face à cette avancée de la technologie, face à l'avancée de la science, face à l'avancée de la logique. Donc toutes ces conditions se réunissaient pour l'avènement de quelqu'un qui allait de nouveau rétablir l'islam. Oui, on mettait en place en fait le terrain hein, oui. qui était propice. Et effectivement, vous l'avez très bien dit, je pense pour résumer un peu ce volume d'informations qu'on vient de donner aux téléspectateurs, c'est qu'il y avait un besoin, c'est-à-dire que l'islam était attaqué de toutes parts. C'est la réponse qui a été apportée, elle a été apportée par Hazrat Mezarullah Mehmed, qui a été d'ailleurs, et ça je vais peut-être vous poser la question, c'était le seul de cette époque-là à avoir revendiqué un tel office, c'est-à-dire il n'y avait personne. Oui, donc lorsqu'on a dit que en fait, cette personne devait apparaître lorsque les 1300 ans allaient être écoulés, oui. Donc au début du 14e siècle, eh bien, on a vu qu'au fil de tout ce siècle, il n'y a eu qu'une seule personne qui s'est revendiquée être l'imam Mahdi et le Messie, il n'y en a pas une autre. Et les ulama de l'époque, ou les savants religieux donc chez les musulmans, disaient que même s'il ne resterait qu'un seul, qu'il ne restait qu'un seul jour de ce 14e siècle, Dieu le prolongerait assez pour que le Messie puisse descendre du ciel, donc le Messie Jésus d'il y a 2000 ans de ça, comme c'est leur croyance, on l'a déjà vu, et que le Mahdi arrive et qu'ils accomplissent leurs tâches respectives, et après qu'ils s'en aillent. Mais après, le 14e siècle s'est terminé et le 15e siècle est venu. Et nous y sommes à présent. Et donc, il faut qu'elle se pose la question. Lorsque la prophétie était si claire, pourquoi est-ce qu'ils ne voient personne? Ils ont rejeté, et nous allons y venir, pourquoi les musulmans, ils ont rejeté en grande mesure, cet imam Mahdi qui leur a été envoyé par Allah pour défendre leur religion. Nous allons voir tout ça. Alors, très bien, donc c'était une des seules personnes, qui, même la seule personne, comme vous venez de dire, qui a revendiqué cet office. Et il a répondu à travers les arguments, à travers la logique, et il a rétabli en fait la pureté originelle de l'islam. Ça veut dire sa dimension et sa dynamique universelle, comme on a vu avec la Mohammadiyya et la Ahmadiyya. Et en plus, ce que je voulais ajouter tout à l'heure par rapport à ce que Jahangir Saheb a dit, c'était que le Messie promis, Hazrat Mezarullah Mehmed, s'est adressé à tous les peuples. Et on le voit même dans les intitulés de ses ouvrages. Les intitulés de ses ouvrages et les questions qu'il aborde, en fait, s'adressent véritablement à tout le monde. Je crois qu'il y avait un courant qui était assez fort, c'était les samadjistes, les aryas samadjistes, oui. qui étaient des hindouistes. Il s'est adressé à eux. Oui, réformateur au niveau de l'hindouisme. Oui. De l'hindouisme, voilà. Et il s'est adressé à eux, il s'est adressé aux musulmans en priorité, il s'est adressé au christianisme et il a apporté véritablement... Et même aux athées, à l'athéisme aussi. À l'athéisme. Oui, oui. En fait, à un panel de religions et du coup de non-religions si on devait prendre en considération le cas des athées. Donc voilà, là on a dressé un bon portrait de Hazrat Mezarullah Mehmed. On voit à peu près ce pourquoi il a été suscité. Mais maintenant, on en vient à l'épineuse question des preuves. Comment en fait on va concilier, d'une part, d'un côté le Saint-Coran avec les hadiths et avec Mezarullah Mehmed. C'est-à-dire que le Saint-Coran dit quelque chose, les hadiths disent quelque chose. Et en quoi ça atteste de la véracité de Hazrat Mezarullah Mehmed? Avant de venir sur votre question, on parlait de l'époque. Et Hazrat Mezarullah Mehmed, c'était une personne d'une grande humilité.
Et voyez ce qu'il a dit dans un de ses vers, dans de ses poèmes. Il a déclaré « C'est l'heure de l'avènement du Messie et de personne d'autre. Et si je n'étais pas venu, quelqu'un d'autre serait revenu à ma place. » C'était vraiment l'heure de l'avènement d'un réformateur, d'un Messie. L'époque criait à propos de l'avènement d'un Messie. Il a déclaré que si moi je n'étais pas venu, quelqu'un d'autre, Dieu aurait envoyé quelqu'un d'autre. Pour revenir sur les preuves, les arguments à propos de la véracité de Hadrat Mizarullah Mahmad alayhi salam, c'est ça la grande question, comme vous avez dit. Quelqu'un s'est dit Messie, beaucoup de gens se sont dit Messie, quoi. Comment savoir s'il dit vrai? Ben, tournons-nous un peu vers ce que nous dit le Saint-Coran sur les principes que nous présente le Saint-Coran à propos des prophètes. Il est dit à propos du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'il a donné cet argument aux gens de la Mecque. Il leur a dit « Faqad labithu fikum umara min qabli afala ta'qilun » Quand il s'est dit prophète, les gens l'ont rejeté, mais il leur a dit à son peuple « Regardez ce que j'ai accompli auparavant. J'ai vécu parmi vous. Est-ce que vous avez vu que jamais j'ai menti? Si j'avais menti auparavant, eh bien, vous pouvez me qualifier de menteur, mais vous êtes tous unanimes que moi, je suis Al-Amin, je suis le véridique, je n'ai jamais menti. Pourquoi donc aujourd'hui je vais mentir au nom de Dieu ? » Et c'est ce qui se passe pour Hadrat Mizarullah Mahmad alayhi salam, lui aussi. Avant de se dire réformateur, avant de se dire Messie, avant de se dire Mehdi, il a défendu l'islam corps et âme. Il a écrit un grand ouvrage, un chef-d'œuvre donc, de l'époque, qui est toujours un chef-d'œuvre aujourd'hui même, qui est Brahim Ahmadiyya, pour défendre l'islam, pour défendre le Saint-Coran. Les musulmans étaient apologétiques auparavant, avant son avènement, avant qu'il prenne sa plume pour défendre l'islam. Mais lui, il est parti de l'avant, il a lancé des arguments, il a lancé des défis, il a demandé aux autres de venir de l'avant, défendez votre religion, prouvez la véracité de l'islam. Il a déclaré, moi je suis, si vous voulez connaître la véracité de l'islam, eh bien moi je peux servir de signe, venez avec moi, Dieu me parle, Dieu s'adresse à moi, il me montre des signes et des miracles, venez vers moi. Donc, nous voyons que, avant de se dire Messie, avant de se dire Mahdi, tous les musulmans de l'Inde étaient unanimes, même parmi ceux qui allaient être ses ennemis les plus acharnés. Oui. Il l'avait qualifié de champion de l'islam. Certains l'avaient dit, proclamez-vous réformateur, nous sommes prêts à vous prêter allégeance. Il y en a même un qui avait dit, proclamez-vous Messie, on a besoin d'un Messie. Il a refusé, parce qu'il l'a fait seulement quand Dieu le lui a révélé, voilà. En fait. Oui. Donc, nous voyons qu'avant de se dire Messie, avant de se dire Mehdi, avant de se dire réformateur, il était acclamé par tous les musulmans de l'Inde, et même d'ailleurs, qu'il était un très grand champion de l'islam. Pourquoi donc allait-il mentir maintenant? Tout le monde était unanime concernant sa piété. Et puis, c'est très intéressant parce que vous avez abordé la question de Brahim et Ahmadiyya, qui était véritablement un livre qui a révolutionné le monde musulman. Et qui, justement, a permis aux musulmans de se défendre. Et c'est vrai que je crois qu'il y avait un ouléma de Batala, qui est une ville d'Inde. Mohammed Hussein de Batala. Qui allait devenir l'un de ses ennemis. Qui allait devenir l'un de ses ennemis. Et d'ailleurs, qui a écrit, en quelque sorte, un article attestant du fait que, si ce n'est dans l'histoire de l'islam, on n'a jamais vu un ouvrage comme ça. Oui. Parce que c'est un ouvrage qui défend d'une telle manière, avec vigueur, l'islam. Il a dit qu'on n'en a pas vu de tel. Mm-hmm. Il a dit, d'accord. Ne prenez pas ceci comme de l'exagération orientale. Voilà, c'est ça. Voilà. Exactement. Oui. Et après, c'est lui-même, le même homme, qui plus tard lui a montré du doigt, il a dit, tu mens. Oui, voilà. Alors, voilà. On voit mais ce paradoxe. Hein. Ouais, mais c'est ça l'argument que Kayyum Sahib avait présenté, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait présenté en sa faveur. Il pouvait tout à fait le présenter aussi. Il a dit, j'ai vécu toute une vie avec vous, parmi vous, avant ça. Alors, est-ce que vous n'allez pas utiliser votre intelligence? Comment est-ce que tout d'un coup, un homme, de jour au lendemain, pendant 40 ans, il fait de bonnes œuvres, puis tout à coup, il commence à mentir? Oui, alors qu'il avait bien dit que l'heure est en train d'appeler vers le ciel pour avoir ce Messie. Si je n'étais pas venu, quelqu'un d'autre serait venu à ma place. Donc, il ne veut pas être Messie. Voilà, c'est l'époque qui a besoin d'un Messie. Mais c'est Allah qui choisit, comme Kayyum Sahib l'a bien dit. C'est à Allah de voir où il doit envoyer son message, n'est-ce pas? Effectivement, et puis ça montre aussi qu'on ne peut pas prêter à Hazrat Mizarullah Mahmud une volonté quelconque qu'il avait de se revendiquer un office bien particulier. Si je vous coupe, s'il avait de l'ambition. Oui. Donc, si on pouvait se dire qu'il voulait se proclamer le chef des musulmans de l'Inde, il avait une très bonne plume, il savait défendre l'islam, et il était adulé par tous les musulmans.
Pourquoi donc, d'un seul coup, s'attirer les foudres de tous les musulmans en proclamant Messie et Mahdi? C'est pas logique du tout. Il aurait dû continuer sur la même lignée de défendre l'islam. Et tout le monde l'aurait adoré. Tout le monde l'aurait adoré, l'aurait adulé. Et puis non seulement des musulmans, mais il s'est aussi tourné vers les autres religions. Tout le monde le détestait. Voilà. Parce qu'il était bien en train de leur dire là où ils avaient erré. Oui. Et c'était ça la tâche, l'une des tâches qu'avait bien déligné le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il a dit qu'il viendrait hakaman adlan, donc il viendrait en tant que juge pour faire justice et pour décider du bon et du mauvais chez tout le monde. Mais évidemment, bon, quand on vous dit la vérité, ça blesse. Quand on vous dit que vous avez erré, vous avez transgressé, ça vous blesse. Mais il était venu pour leur dire cela, pour mettre le miroir devant eux, pour qu'ils se regardent un petit peu dedans et qu'ils puissent se changer, pour qu'ils puissent se réformer. Et puis, un réformateur, il vient réformer justement les gens. Effectivement, et puis ça aboutissait parfois à des situations un peu absurdes où on voyait que les autres religions que Hazrat Mezarullah Mahmoud avait justement, il avait touché là où ils erraient, comme vous dites, Jahangir Sahib, et bien ces religions se liguaient contre Hazrat Mezarullah Mahmoud pour faire des fausses, des faux. Je pense à cette affaire avec Clark, avec Henri Martin Clark. Mais on y reviendra sur toutes ces questions. Hein. Ça peut faire l'objet de multiples émissions. Mais c'est vrai que Hazrat Mezarullah Mahmoud avait la défense de l'islam en lui et il s'était attiré les foudres des musulmans et ça n'avait pas de sens par rapport à son vie. Mais je reviens à cette question, en fait, le Coran et les hadiths, s'ils prouvent la véracité du Messie promis, donc de Hazrat Mezarullah Mahmoud. En quelques minutes seulement, peut-être, si vous pouvez nous dire quelques mots et on reviendra sur l'émission moi, d'après. Ce que j'aimerais dire du hadith, parce qu'on a déjà vu une preuve du Coran, c'est la vie qu'on peut analyser, voir, faire la psychanalyse un petit peu de la personne. Hein? Une personne ne change pas du jour au lendemain, ça on l'a déjà vu, ça vient du Coran. Mais dans le hadith, on avait déjà présenté un hadith dans une émission précédente où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en répondant aux questions posées par une personne, avait dit qu'il y aurait un mal qui viendrait à l'avenir et que si cette personne-là devait jamais rencontrer ce mal, ce serait une mauvaise époque où il y aurait des gens qui seraient des Arabes, qui parleraient l'arabe, qui seraient du peuple arabe, mais qui appelleraient les gens vers le feu, comme l'a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, que devait-il faire? Il devait se joindre à la jama'at, la jama'a et son imam. Donc la communauté même et son imam. Il a dit, et si je ne trouve aucun imam, aucune jama'a, qu'est-ce que je fais? Il dit, eh bien, va t'agripper à un arbre par tes dents et reste-y jusqu'à ce que la mort te surprenne dans cet état. Mais abandonne toutes ces sectes. Et donc, il a parlé des sectes. Et on a vu aussi qu'il a répété, il a réitéré ce thème en disant que ma communauté à moi se divisera en 73 sectes. Parce qu'on lui a dit à Mezarullah Mahmoud, les musulmans, lorsqu'ils ont commencé à le rejeter, ils ont dit, mais on est déjà assez divisés comme ça, on a toute cette panoplie de chiites, de sunnites, de soufis et tout ça. Pourquoi créer encore Une nouvelle secte? Oui. Mais ce qu'ils oublient, c'est qu'en fait, ils étaient déjà arrivés à 72 sectes. D'accord. Et maintenant, on est arrivé avec une nouvelle communauté qui s'appelle Al-Jama'a, qui s'appelle la communauté, et qui a un imam qui est envoyé par Allah. Donc là, on voit justement ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Mais quand on vous dit qu'il faut quitter tout ça et venir ici, il faut qu'ils essaient de comprendre. Mais Inch'Allah, peut-être dans une prochaine émission, nous pourrons venir à ces détails. Il y aura un accomplissement fulgurant de cette prophétie en particulier. J'espère, Inch'Allah, qu'on aura l'occasion d'en parler. Inch'Allah, parce que par manque de temps, on ne peut pas finir le sujet, mais bien entendu, on y reviendra. J'en profite également pour rappeler, avant la fin de cette émission, à nos téléspectateurs qui peuvent nous écrire, et surtout qui nous écrivent à cette adresse horizon avec un s@mta.tv et qui nous fassent part de l'ensemble de leurs observations, éventuellement de leurs questions, auxquelles nous répondrons dans les émissions qui viendront par la suite. Pour ce qui est de cette émission, je pense que nous avons bien synthétisé au terme de ces différentes, au terme des différents moments, les différentes étapes en fait de cette émission. En tout cas, on a parlé de Hazrat Mezarullah Mahmoud, on a parlé de la revendication de son office en tant que Imam Mahdi et Messie promis. On a conclu par certaines prophéties et on a vu comment, à la lumière de ce que Hazrat Mezarullah Mahmoud a affirmé, celles-ci se sont accomplies. Pour ce qui est du reste, nous vous donnons rendez-vous lors de notre prochaine émission. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
ولا شك أن محمدا شمس الهدى إليه رغبنا مؤمنين فنشكره له درجات فوق كل مدارج له لمعات لا يليها تصوروا